Et bonjour à tous, bienvenue dans le Club Objectif Gare, un Club Objectif Gare très spécial à l'occasion du lancement de la Feria de Pentecôte édition 2024. Nous sommes ici en direct des arènes de Nîmes avec le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui est à nos côtés. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Objectif Gare. Vous allez bien monsieur le maire? Ça va très bien, on démarre avec un peu de soleil, donc on peut espérer... Écoutez, vous nous avez amené le soleil, vous êtes arrivé, le soleil est sorti, tout va bien, la Feria devrait bien se passer. En principe oui. On est ravis en tout cas que vous soyez avec nous pour cette émission très spéciale avec de nombreux invités qui vont se succéder dans cette émission de 11h à midi. En fin d'émission, on aura Simon Cazas tout à l'heure, l'empresa des arènes de Nîmes. On recevra Adrien Poujol, l'ancien raseteur. Il viendra nous parler de la première course de ce soir. On va recevoir de nombreuses personnalités politiques, notamment Franck Proust, le président de Nîmes Métropole. Frédéric Pastor est également avec nous, l'adjoint au maire en charge des festivités et des traditions. Le sénateur Laurent Burgoa sera là également tout à l'heure, et puis on recevra deux patrons de bars mythiques à Nîmes, puisqu'on aura dans quelques instants Philippe Martinez, c'est le nouveau patron du bar des Antonins, et puis on aura également Nicolas Delprat, le patron du Victor Hugo. Vous avez le programme, on est ensemble pendant une petite heure, merci d'être avec nous ce matin de 11h à midi, générique. On est ici en direct des arènes de Nîmes avec le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui est avec nous pour ce club Objectif Gare très spécial. Monsieur le maire, bon, c'est un moment riche, un moment intense, la Feria de Nîmes, cette Feria de Pentecôte, pour les Nîmois en particulier, monsieur le maire. Eh bien, c'est le démarrage aujourd'hui avec plusieurs manifestations, notamment, après vous, je vais au Puy Couchou pour les aficionados de partidos. Après, j'irai au CCAS. En fin d'après-midi, on attendra... que la course Camargaz ait lieu, j'espère qu'elle aura lieu. Avec pour la première fois la présence du Biudor, hein, oui. 2023, qui sera et là. Et à la fin de la journée, il y a la fameuse Pégoulade. Ah oui, qui est attendue, bien attendu évidemment. Par tous les Nîmois. Par tous les Nîmois, on voit déjà quelques images effectivement de la préparation de cette feria. Et avec effectivement la Pégoulade de ce soir, c'est un temps fort de cette feria, monsieur le maire. Alors vous nous avez donné déjà un peu votre programme d'aujourd'hui, mais c'est un programme chargé pour vous, monsieur le maire. Ben, c'est un programme qui est assez chargé, effectivement. Vous êtes bien reposé parce que vous n'avez pas beaucoup dormir les prochains jours. Je me suis bien reposé, je suis prêt à tout. Bon, super. À côté de vous, c'est Frédéric Pastor, votre adjoint en charge des festivités et des traditions. Bonjour, monsieur Pastor. Bonjour, Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Alors, une première question, bien évidemment, que j'ai envie de vous poser, c'est que pour vous, par rapport à vos délégations, c'est le moment le plus intense de l'année, non? Oui. La Feria de Pentecôte. C'est un moment fort parce que c'est un moment fort dans la cité. Comme vous l'avez très justement dit, la Feria commence aujourd'hui avec... en point de mire, la Pégoulade, qui est la première grande manifestation populaire de la ville, où les Nîmoises et les Nîmois ont à cœur de venir déambuler sur les boulevards, sur les quatre boulevards de la ville. Et puis, bien évidemment, le lancement et la course camargaise et un très riche programme pendant ces cinq jours. On va en parler effectivement des cartels. Juste avant, monsieur le maire, c'est quel cartel, c'est quel corrida que vous avez envie de voir en particulier là pendant le week-end? Celle de samedi soir? Déjà celle de vendredi. Bon, celle de vendredi, bien sûr. Ponce qui viendra avec Talavante. Je crois que c'est un duo important pour Nîmes, qui ont prouvé déjà dans les années qui sont passées des résultats. Et puis la corrida de samedi. De samedi. Qui fait déjà le plein parce que comme l'année dernière, on en parlait avec Frédéric Pastor qui était dans l'émission mardi soir, comme l'année dernière finalement, il y a des guichets fermés pour des corridas. Trois guichets fermés, une vendredi, un samedi et une pour la cheval. C'est une bonne nouvelle pour nos traditions, pour les corridas. Ça fait un petit peu dire que Monsieur Caron avait tort. Je vous le confirme. Frédéric Pastor. Oui, je rejoins complètement ce que dit monsieur le maire. L'effet Caron a du bon puisque les arènes se remplissent en France, mais on arrive d'embarquer aussi avec monsieur le maire en Espagne. On s'est rendu compte dans les arènes de Jerez que le Noa y Billete s'affichait et le Noa y Billete s'affiche dans de très nombreuses arènes aussi en Espagne. Et trois soirs, en tout cas trois jours, trois corridas à Nîmes, c'est assez exceptionnel. L'année dernière, je crois qu'il n'y en avait qu'une ou deux. Hein. Une. Il n'y en avait qu'une l'année dernière. Donc on voit effectivement l'intérêt qui est là.
On va rappeler quelque chose, parce que bien évidemment, on est dans les arènes, on est dans l'amphithéâtre, c'est là où se passent les spectacles taurins. Mais comme on le disait il y a quelques instants, il y a beaucoup de choses à l'extérieur. C'est peut-être pas suffisamment dit, alors on va le rappeler, que toutes les animations sont gratuites à l'extérieur de la ville. Elles sont offertes par la municipalité. Tout à fait. Monsieur le maire, c'est important de le rappeler que vous voulez garder ça comme un événement populaire. Ah ben oui. Un événement populaire où tous les Nîmois peuvent venir. Donc tous les Nîmois pourront y assister avec beaucoup de joie et beaucoup de tempérament, puisque je crois qu'effectivement les Nîmois attendent ça aussi. Et je pense que c'est normal qu'il y ait la gratuité sur de nombreux... Mais c'est bien de le préciser qu'effectivement toutes les animations extérieures sont gratuites. Et puis une nouveauté, on fait une fête gitane sur la placette. Sur la placette, c'est quand ? Quel soir ? Ben on attaque Frédéric vendredi Pastor. Soir, samedi à un point d'orgue, le concert de Rancapino Chico dimanche soir. J'allais vous soir. En parler, mais j'allais vous demander de me exactement. Donner un peu vos bons plans de la feria. Ben, la placette est un lieu incontournable. Nîmes est un lieu incontournable pendant la feria, pendant Pentecôte, mais la placette l'est aussi. Et les arènes de Nîmes, bien évidemment. Donc il y a bien évidemment les spectacles taurins dans les arènes, il y a les animations extérieures, la placette. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme, lieu incontournable ? Les abrivades, bien évidemment. Le bosquet. Le bosquet aussi. Toutes les artères de la ville, il va se passer des choses, monsieur le maire. Il va se passer des choses partout. Et il y a une nouveauté depuis l'année dernière, c'est ce grand concours de paella. Vous aimez bien la paella, monsieur le maire ? Ça, c'est Est-ce que idée, ça vous plaît, ça ? C'est une idée de ce monsieur. Effectivement, l'année dernière, il a fait beaucoup de monde sur cette... ce concours. Cette année, il renouvelle l'expérience, donc je crois que c'est une bonne chose, puisqu'effectivement, les Nîmois ont pu goûter des paellas de grande qualité. Ah, mais l'année dernière, il y avait du monde, hein, monsieur Pastor. Grand succès, en fait, pour rejoindre ce que dit monsieur le maire, qu'est-ce qui nous réunit de pouvoir déjeuner ensemble, et quel est le plat favori pendant la feria? C'est la paella. Donc voilà, l'idée, elle est assez simple, assez binaire, et je pense qu'il y aura encore beaucoup de monde pour ce championnat de France de paella. Je voudrais juste pour terminer, avant de vous libérer tous les deux, nous dire un mot sur ce concert de dimanche soir, parce qu'on en a beaucoup parlé, monsieur Pastor, ce concert flamenco de dimanche soir. Parlez-nous de cet artiste espagnol qui vient, parce que c'est un petit coup que vous avez réussi. Oui, alors déjà, ce qui est important, c'est de faire travailler et d'avoir parmi nous tous les groupes gitans de la placette. Vous savez que la communauté de ce lieu emblématique pendant la feria, il y a pas mal de groupes, donc déjà ils vont être engagés durant le vendredi et le samedi. Et l'idée, c'était de clôturer cette action par la présence d'une star. Alors, on a pu la voir. Il sera là dès demain soir parce qu'en fait, il est très ami avec Enrique Ponce. Donc vous l'aurez dans les arènes déjà vendredi soir. Il va assister à une bonne partie de la feria et il aura à cœur de se donner... sur la scène de la placette dimanche soir. C'est à voir, c'est incontournable, c'est dimanche soir à la placette à 21h. Hein. Exact. On va rappeler l'horaire. Monsieur le maire, avant de vous libérer, un petit mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Nîmois qui suivent l'émission, qui vont la regarder cet après-midi, qui profitent de cette feria, qu'on aura du beau temps et qui, vraiment, ils viennent en grand nombre vivre cette feria avec beaucoup de passion. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être passé par le plateau. Merci, Frédéric Pastor. Merci, Abdel. D'avoir merci été à vous. Là. Bonne feria à tous. On va enchaîner dans cette émission, puisqu'on va recevoir tout de suite Franck Proust, le président de Nîmes Métropole. Parce que, bien évidemment, quand on dit feria, on dit tourisme. On annonce chaque année, effectivement, énormément de monde qui vient, effectivement, pour cette feria. Et on a un aéroport qui s'est bien développé. On a des Irlandais, on a des Portugais, on a des Belges qui sont susceptibles de venir à la feria. Denis, monsieur Proust, est-ce que vous voulez bien venir en plateau, si vous voulez bien? Je sais que vous étiez en train de discuter avec monsieur le maire, mais vous allez le rejoindre dans quelques instants, parce que je pense que vous allez partir à Puicouchou également, qui est prévu à 11h30. Je vous laisse prendre le micro, monsieur Proust. La première question que je voulais vous poser, elle est liée, en fait, bien évidemment, à l'aspect festif. Il y a les corridas, tout ça, on vient d'en parler avec Frédéric Pastor et le maire. Moi, c'est plus sur le côté économique qui m'intéresse avec vous, parce que, bien évidemment, la feria a un impact très fort d'un point de vue touristique et d'un point de vue économique sur la ville de Nîmes. Ben, on le voit d'ailleurs, les premiers jours de la feria sont, on pourrait la qualifier ainsi, la vitrine du tissu économique gardois, voire même régional, puisqu'un bon nombre d'entreprises profitent de la feria pour faire leurs relations publiques. Donc on a des bodegas qui sont tournés le mercredi, le jeudi et le vendredi plutôt vers l'économie. Et c'est ça qui est important. Après, bien évidemment, on a une population régionale, française, européenne, qui vient visiter Nîmes, qui profite des festivités. N'oublions pas que la feria de Pentecôte, c'est la deuxième fête en Europe après la fête de la bière de Munich. Donc ça remplit nos restaurants, nos hôtels, et c'est vrai que l'impact touristique est,
est très important. Et c'est aussi dans cette démarche-là que vous êtes inscrit, je venais de le dire il y a quelques instants, avec le développement de l'aéroport, parce qu'on voit de plus en plus dans la ville des Irlandais, des Belges et des Portugais. Et c'est aussi dans cette démarche-là que vous vous inscrivez, c'est aussi d'attirer effectivement de nouvelles populations pour qu'ils puissent venir découvrir nos traditions et passer des séjours plus ou moins importants sur notre territoire. Ben bien sûr, j'allais dire que les compagnies low cost qui atterrissent à Nîmes font que les gens maintenant peuvent venir passer ce qu'on appelle un VSD ou un court séjour en limitant, j'allais dire, les frais consacrés au transport. Et donc, ça permet à tous ces gens de garder une manne financière pour justement les retombées économiques, parce que, et à la limite, pour nous en tant que Nîmois, il vaut mieux, sur un budget global, que la part consacrée aux dépenses dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans nos commerces, soit plus importante que celles qui sont consacrées au transport. En tant que Nîmois, Franck Proust, ça représente quoi la feria pour vous ? C'est un moment incontournable, c'est ce qu'on appelle le marqueur dans la vie de la cité. Et alors, avec ma casquette de président de Nîmes Métropole, c'est, et vous avez fait d'ailleurs deux beaux articles là-dessus, c'est regarder les moyens qu'on met sur les transports et la collecte des ordures ménagères, avec une amplitude horaire incroyable. On fait, les services sont mobilisés de 3h du matin à 22h le soir, on distribue des conteneurs pour garder toujours cette qualité dans la collecte. Et regardez, quand vous vous levez le matin, la ville est propre aussi. Exactement. La propreté, compétence de la ville, la collecte, compétence de l'agglomération. Et puis regardez ces passes feria avec les transports en commun. Qui c'est ce que j'allais dire, cette navette feria également qui est mise en service. Qui connaît un grand succès, qui dessert même jusqu'à Lesgardonninque ou des communes comme Marguerite, Besouf. Et qui répond à des questions de sécurité routière aussi, parce qu'on va rappeler bien évidemment que on peut l'utilisation... Faire la fête, on peut faire la fête et déposer sa voiture ou venir en bus, ça permet pour d'éviter... Pour venir directement en centre-ville. Et en plus, cette navette, elle est très régulière, elle fait des allers-retours tout au long, effectivement, de la journée, de la soirée. Il y a un passe feria à 2,30€ l'aller-retour qui est très, très intéressant. Il y a aussi un aspect, vous l'avez dit tout à l'heure au début, c'est que ce moment de feria, c'est des moments aussi où on fait un peu des affaires, parce qu'il y a beaucoup d'activités économiques aussi. Il y a dans les bodegas, on sait qu'hier par exemple il y avait la grande soirée du BTP, c'est les moments où on se retrouve pour échanger avec des chefs d'entreprise, prendre un peu le pouls économique aussi de la ville. C'est ça, vous avez complètement raison, c'est-à-dire que d'abord, plus globalement, la feria, c'est un lieu et un moment dans l'année de la cité où les Nîmois échangent. On se rencontre, on parle de l'actualité et de tout, j'allais dire, nos problèmes, de nos projets. Mais sur le milieu économique, ça permet effectivement de prendre le baromètre, c'est-à-dire de voir un peu la situation économique et puis de rencontrer des clients de ces sociétés, des fournisseurs. Et c'est toujours très intéressant. Bien sûr, quand en tant que président de l'agglo, j'arrive, on nous interroge sur nos projets, sur les calendriers, tout ça. Bon. Donc c'est un dialogue qui me paraît très intéressant. Et c'est vrai qu'on voit que la feria, pour nous, elle se décompose en deux parties. Vous avez la partie du mercredi au vendredi, qui est plutôt une feria économique, et puis après, plutôt festive et grand public du samedi au lundi. Exactement. Une toute dernière question pour vous, Monsieur Proust. Quel est votre programme de cette feria ? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? Est-ce qu'il y a des endroits un peu indispensables où il faut que vous soyez présent ? Vous allez me sortir votre programme, c'est non, ça ? Voilà. Vous avez tout de noté dessus. Mon programme, il est concentré. Ben, disons que j'essaye de varier. Parce qu'il faut mettre de l'énergie aussi, parce qu'il faut passer, voir du monde, c'est aussi discuter, c'est boire un coup aussi, alors avec modération. Mais... Oui, il y a une partie protocolaire, il y a une partie festive, une partie représentation. On essaye en tout cas d'être accessible et d'aller un peu de partout. Parce que comme je vous dis, il y a vraiment, on peut qualifier ça, ce mot de communion avec la ville et le secteur économique. Merci beaucoup, Monsieur Proust. Merci, merci beaucoup et bonne feria à toutes et tous. Exactement, Président de Nîmes Métropole qui était avec nous et qu'on va retrouver très bientôt. Et dans une dizaine de jours, on a une émission spéciale avec vous à l'avenue Feuchère. J'ai entendu parler de avec ça. Avec Coralie Mollaret qui sera là, bien évidemment, pour cette émission. Voilà. Nous a rejoint juste à côté de vous, c'est le sénateur du Gard et votre ami Laurent Burgoa qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Burgoa. Bonjour, Monsieur Sabari. Vous allez bien, Monsieur Burgoa ? Très bien. Vous étiez dans le train hier, de retour de Paris. Oui, je suis arrivé à 20h et directement, je suis d'ailleurs à la soirée du BTP. La première question que je voulais vous poser, Monsieur Burgoa, elle est assez simple. Finalement, c'est le moment le plus important pour exceller nos traditions. Oui, je crois que quand on est Nîmois, ces arènes pour nous, c'est dans notre cœur. Donc, et vous avez bien fait, moi je tiens à
à vous féliciter d'avoir choisi de faire cette émission spéciale dans les arènes, le lieu symbolique, le cœur de la feria. Ce que comprennent pas les anti-corrida, c'est que sans corrida, il y aurait plus de feria. Et oui. C'est l'arène, c'est le cœur de la feria. Même des gens qui ne vont pas dans l'arène, il y aurait pas de corrida, il y aurait pas la feria autour, dans les bodegas, dans les restaurants, dans les cafés. Donc c'est important cette feria. Pour votre information, ça fera ma 50e année que je vais au, ah oui. au taureau, oui, parce que bon, vous avez mes commencé parents, jeune. Mes on parents, peut le oui, dire. Dès l'âge de 5 ans, donc c'est vraiment important pour moi aussi. Cette 50e année d'affiction. L'année dernière, M. Burgois, vous aviez convié un de vos amis sénateurs à venir à Nîmes pour lui faire découvrir la feria, les corridas. Est-ce que ça sera le cas cette année encore? Pas cette feria, mais... Peut-être à la feria des Vendanges. Je peux lancer un scoop. Ah, vous aurez allez-y. Alors... Ah, ça ne sera pas en 2024, mais en 2025, juste avant la feria des Vendanges, il y aura le séminaire des sénateurs LR à Nîmes. Très bien. Le mercredi et le jeudi, avec l'option pour le vendredi soir d'assister à une corrida. Donc vous aurez même la présence du président Larcher, du président Retailleau qui sera là. Le Larcher sera là également. Et pour votre information, le président Retailleau aimerait bien, si son agent le permet, de venir à la feria de septembre 2024, assister à la corrida où il y a Léa Vicens, parce qu'il est un amateur de corrida à cheval. À la corrida en hommage à Nîmes 2, où il y aura également Castella et Clémente. Donc on essaye de monter cela. Oui, il y aura des sénateurs. Mon travail, c'est de faire apprécier nos traditions. Et sachez que même dans le groupe, ceux qui ne sont pas des plus... amateurs, bah, ils respectent, ils disent et ils viendront avec plaisir. Oui, parce que souvent on entend, monsieur le sénateur, souvent on entend à Paris des gens qui se posent des questions sur nos traditions, sur les corridas. Non pas qu'ils sont forcément opposés, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas complètement nos traditions. Je crois qu'il faut leur faire passer que c'est une passion, c'est une passion qui est culturelle et on pourra leur faire visiter par exemple le musée des cultures taurines, d'aller faire rencontrer des clubs taurins. Je crois que ce qui est intéressant par rapport à mes collègues sénateurs, c'est leur faire passer ce message que, avant tout, les aficionados, nous sommes des passionnés et faire comprendre que cette passion, ben, c'est important qu'elle puisse être maintenue. Vous avez été adjoint en charge des traditions, si je ne me trompe pas. En tauromachie. Pas longtemps, parce que pas longtemps, quand je l'étais, après, mais ça a été le cas, président également pour fait, corrida, de oui. nombreuses corridas. Quel est votre sentiment, quelle est votre analyse des cartels qui sont proposés cette année par Simon Casas? Je crois qu'on a la chance d'avoir Simon Casas comme directeur des arènes. Vous savez, quand vous avez le directeur des arènes de Madrid, vous avez le patron de la tauromachie. Alors, certains critiquent Simon Casas, je dis heureusement qu'il est là, parce que grâce à lui, on a pu avoir quand même des événements importants. Hein. Je ne vais pas remonter, mais l'alternative de Litry Camine, c'est grâce à lui. Le solo de Rosé Thomas, c'est grâce à lui. Et puis... je pense qu'il est un génie de la tauromachie et on peut être fier que, de l'avoir qu'un Nîmois qui a été directeur de ces arènes soit maintenant le patron de la tauromachie à bon, Espagne. On ne va pas trop en dire non plus, M. Burgois, puisqu'il y a un marché qui est en cours, je crois. Hein. Bon, moi, je ne suis pas élu Nîmois, donc je peux dire ce que je veux. Je suis de cela. Puis après, vous savez, je crois qu'il y a un marché, mais il faut dire aussi la réalité. Voilà. Simon Casas, bon, je pense que ça sera certainement, s'il est renouvelé son dernier contrat... mais il le mérite et il méritera qu'un jour ben, il sorte par cette grande porte parce que tout ce qu'il a fait pour sa ville d'un point de vue touré mais aussi par rapport j'allais dire aux restaurants, aux hôtels, il a mené aussi beaucoup d'activités économiques. On ne vous entend pas ou en tout cas on ne vous a pas sollicité sur cette question-là, mais moi j'avais envie de savoir ce matin quelles sont pour vous les jeunes personnalités taurines aujourd'hui qui ont de l'avenir ou en tout cas sur lesquelles vous avez un œil bienveillant et que vous regardez attentivement et que vous imaginez dans les prochaines années qui pourraient devenir des figures, comme on dit aujourd'hui. Ouais, déjà, une qui l'est, c'est qui est jeune, c'est Rocareil. Hein. Moi qui étais le président de son alternative ici... il y a en 2018. Après, il y a un jeune qui monte fort, c'est Thomas Ruffo. Et puis, j'allais dire, ça c'est le cœur et c'est le chauvinisme nîmois aussi. Je pense que je miserai aussi sur El Rafi dans ses arènes. Je pense que samedi, c'est une course importante pour lui. Et j'espère et je souhaite au tout cœur qu'il triomphe et qu'il devienne ce taureur de Nîmes qu'on attend longtemps. Castella, on attend depuis longtemps. Hein. Castella est une grande figure. On a la chance d'avoir Castella, mais Castella est un bitérois, même s'il est très attaché aux arènes de Nîmes. Hein. Oui, il a fait oui. quand même. Il ne faut pas oublier qu'ici, il a affronté 6 taureaux d'Adolfo Martin, qui était quand même un combat important et qu'il a plutôt bien réussi. Mais il est bitérois, et c'est tout à son honneur.
actuellement, on n'a pas de taureur ni mois important et j'espère que El Rafi pourrait l'être. Une toute dernière question, celle que j'ai posée à monsieur le maire, que j'ai posée à Franck Proust, le président de Nîmes Métropole. Quel est le programme du sénateur Burgois pour ces prochains jours? Alors, les corridors, forcément. Les corridors, vous allez voir la course camarguaise ce soir? Oui, parce que c'est important de défendre toutes les traditions. Il y a la corrida qui est importante, c'est comme dans mon cœur, elle a une place toute particulière, mais il y a aussi la course camarguaise, il y aurait la course landaise, c'est important aussi, mais la course camarguaise, c'est très important sur notre territoire gardois. Et puis, par exemple, pour ce soir, j'ai la présentation du livre de Nîmes par ses deux auteurs. Je suis invité par un club taurin, m'étais engagé un peu à l'avance, puis ça sera fait la tournée des... Est-ce que vous irez à ce grand concours de paella, samedi? Alors, bon, vous aimez bien la paella, monsieur Burgois. J'aime bien la paella, je la mange. Mais mes activités font que, en plus, pour tout vous dire, samedi matin, j'ai un aller-retour parce que j'ai une fille qui est en plein Parcoursup et donc je dois aller l'amener à Marseille en entretien. Donc samedi matin, je ferai l'aller-retour entre Nîmes et Marseille. Donc peut-être. Mais vous serez là à 18h dans les arènes. Ah, il n'y aura pas de difficulté. Ça, je ne risquerai pas de manquer ce cartel-là. Merci, monsieur le sénateur. Merci de votre invitation. Merci. Et je souhaite à tous les Nîmoines et Gardois une excellente feria, mais qu'ils soient prudents parce que. Avec modération et surtout prudence sur les routes. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Burgois. Merci de d'avoir été avec nous. Bonne feria aussi, avec merci. Modération. Ah, hein. Ben, vous inquiétez pas, on sera au rendez-vous. On est à l'Impérator demain soir. Hein. Ah oui, mais là, c'est pas un lieu de modération. Merci, monsieur Burgois. On va accueillir deux nouvelles personnalités dans cette émission spéciale que nous vous proposons ce matin. Le club Objectif Gare est en direct des arènes de Nîmes pour le coup d'envoi de la feria de Pentecôte 2024. Les deux personnalités qu'on reçoit ce matin, elles sont en fait à la tête de deux établissements mythiques nîmois. Il y a Nicolas Delprat qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être là à la tête bien évidemment de l'établissement le Victor Hugo. Et puis il y a un nouvel acteur sur Nîmes. C'est le nouveau patron des Antonins, c'est Philippe Martinez qui est avec nous. Ouais. Bonjour, bonjour monsieur bonjour Martinez. À tous. Bonjour. La première question pour vous Nicolas Delprat, parce que là c'est le temps fort du Victor Hugo bien évidemment, comme chaque année, on est prêt, on s'est reposé quelques jours avant parce que je pense que vous n'avez pas dormi là pendant 4 jours. Alors on ne s'est pas forcément reposé avant parce qu'en fait avant d'arriver à ce stade là, il y a quand même 15 jours, 3 semaines de préparation avec une montée en puissance petit à petit. Donc non, mais on va pas parler de repos, on va parler de travail, on va parler de fête et puis on se reposera après. Bon, vous êtes heureux, tout se passe bien. Le soleil est ressorti un petit peu, on devrait peut-être avoir un peu moins de pluie. Je crois que vendredi, samedi, dimanche, même lundi, on devrait avoir un temps estival, donc tout va bien. Oui, alors ça c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas, donc moi j'ai arrêté de me stresser pour les paramètres que je ne maîtrise pas. Mais par contre, en effet, au moins, ne serait-ce que pour les festaires, qui est un temps qui soit clément, ben, ça permet de venir faire la feria dans des bonnes conditions. Qu'est-ce que vous allez proposer au public nîmois, aux touristes qui vont peut-être regarder l'émission, qui sont peut-être là et qui vont la regarder cet après-midi ou demain? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Pourquoi c'est mythique et pourquoi c'est important de venir au Victor Hugo? Alors c'est, je pense, comme pour beaucoup de bodegas, un temps très fort parce qu'en fait, bon, on a une fréquentation qui est vraiment à la hausse pendant la feria. C'est un moment où aussi on essaye de montrer ce que l'on sait faire et notre activité que l'on a de festivités tout au long de l'année. Et puis c'est un moment où aussi on réunit un petit peu tous les clients qui passent pendant l'année au Victor Hugo et qui se retrouvent au même endroit pendant un même moment. Et donc on essaie de tous les éclater, de leur faire passer le meilleur moment possible. Oui, c'est le cas. On n'est pas trop inquiet parce qu'on sait qu'il y a quand même la fête au Victor Hugo pendant toutes ces soirées. Il y a aussi en journée, mais en soirée, il y a énormément de monde qui est effectivement devant votre établissement. Oui, alors c'est vrai que c'est devenu un lieu un petit peu de passage, ne serait-ce que pour prendre la photo, ou des fois juste le rendez-vous, on se donne rendez-vous devant le taureau. Exactement. Donc que ce soit en journée ou en soirée. Mais je pense que les gens, ils ont bien associé le décor avec justement avec la feria. Donc dès que le taureau commence à sortir son nez, hop, on sent que la feria va arriver. Nicolas Delprat, qu'est-ce que vous pouvez dire à Philippe Martinez qui va vivre sa première feria à la tête de la brasserie des Antonins? Eh bien, je lui dirais que moi, si je pouvais, j'aimerais revivre ma première feria parce que c'était quelque chose d'assez intense. C'est toujours un grand moment. Alors forcément, il y a du stress, mais il y a une euphorie, il y a une espèce d'adrénaline aussi. Et c'est vrai que quand on arrive à allier un petit peu ben, ce côté festif et le côté business, et qu'on arrive à rendre autant de gens heureux, parce qu'on a quand même un métier qui donne du bonheur. Bien sûr. Ça donne une certaine satisfaction. Donc je lui souhaite déjà bonne chance, beaucoup de courage et d'énergie, parce qu'il va en avoir besoin, mais je sens que ça va bien se passer. Philippe Martinez,
première feria à la tête effectivement de la brasserie, mais je présume que vous connaissez les ferias de Nîmes, oui, et que vous y avez déjà participé. On y participait, mais de l'autre côté. Eh oui, forcément, on faisait la fête. Là, cette fois-ci, c'est le travail. Je remercie énormément Nicolas pour sa bienveillance et effectivement, beaucoup de stress et beaucoup d'inquiétude, surtout la météo, parce que nous, c'est notre première, donc on tremble. Et vu son expérience, il vient de le dire, lui, il a arrêté de se faire du souci avec cette inquiétude de la météo. Et moi, j'ai encore du mal à faire le pas. Ça viendra. j'ai du mal. Hein, donc le stress a été énorme de ce côté-là. Parce que quand mardi, on a vu ce qui nous arrivait, j'ai dit bouf. Et oui, forcément. Bouf. Et là, aujourd'hui, on se lève, on voit le petit bleu là-haut, donc ça fait va bien. Un petit peu mieux. Ah bon, ouais, tout est prêt. Qu'est-ce que vous allez proposer, Philippe, à la brasserie des Antonins pour les Nîmois et les Festaïres? Comme d'habitude, on fait comme ils avaient l'habitude de faire, les anciens propriétaires, et qui nous ont énormément conseillé d'ailleurs sur ce fait. Et donc on va emmener des prestataires qui vont venir faire des shows vendredi, samedi, dimanche. On va faire en fin de compte ce que faisaient les anciens propriétaires, et on a suivi leurs conseils et on est resté dans la même dynamique pour pas faire d'erreur et de pas décevoir le public. On va rappeler l'ancien propriétaire Christophe Brunetti, bien évidemment, qui est des sociétaires dans notre émission. Bon, alors tout est prêt, tout est bien, on est parti. On a travaillé pour. On vous passera un coup de fil mardi matin pour savoir un peu dans quel état vous êtes. Mardi après-midi, ça va dormir. On dormira mieux, je pense qu'on va dormir mardi. Vous le disiez, il y a effectivement une inquiétude avec le temps, etc. Mais Nicolas, Philippe, c'est à tous les deux que j'ai envie de poser la question. C'est aussi, il faut se le dire, un moment économique important quand on gère un établissement comme le vôtre. Alors déjà, il faut savoir que c'est des gros investissements. Bien sûr. Parce que qu'il pleuve ou pas, c'est les mêmes investissements, c'est beaucoup de personnel mobilisé, c'est de la marchandise qui est rentrée. Combien vous êtes obligé de prendre de personnes en plus pour ces soirées-là? Nous, on triple presque les équipes quand même. Ah oui, d'accord. Oui. Mais on passe d'une petite structure au boulevard. Donc du coup, pour arriver à servir le maximum de monde, on est obligé d'embaucher beaucoup plus. Donc tout ça, c'est beaucoup d'organisation et c'est un coût financier. Et ce coût financier, il est là. Qui est le beau temps ou pas. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une certaine inquiétude. Mais ça reste un moment crucial quand même. Ben, économiquement, c'est important. D'un point de vue économique, rater ou réussir sa feria, ça ne donne pas tout à fait le même sens pour le reste de l'année. Ben, disons qu'une feria réussie permet de générer des investissements derrière. Exactement. Ça permet d'organiser des soirées où on va mettre des budgets plus importants des DJ, des décorations ou autre. Donc ça a une réelle incidence sur l'activité de l'établissement derrière. Ouais. Bon, Philippe, c'est la première, alors vous allez voir un peu comment ça se passe. Mais je pense que c'est la même chose. Tout pareil. Tout pareil. Bon, les stocks sont en place. Vous attendez les Nîmois. Ils vont arriver à partir de ce soir. On va bien s'en occuper. Je présume que vous allez bien vous en occuper et que vous allez bien vous occuper de nous, de nos équipes aussi, parce avec que grand les plaisir. Journalistes d'Objectif Gare sont bien évidemment plaisir. Mobilisés sur le terrain jour et nuit. J'ai posé la question à Corentin qui m'a confirmé en effet que les équipes étaient sur place. Je ne suis pas trop inquiet pour Corentin. Vous inquiétez pas. Il sait aller aux bonnes adresses. Merci beaucoup d'avoir avec été plaisir. Avec merci nous à vous. Dans à cette émission bientôt. Spéciale et puis très bonne feria. Merci de même. Revoir. Au revoir. Allez, on enchaîne dans cette émission. On arrive dans la dernière partie de l'émission. On va accueillir de nouveaux invités pour ce matin ici en direct des arènes de Nîmes à l'occasion du coup d'envoi de la feria. C'est Denis Allegrini et Adrien Poujol qui nous ont rejoints. Je vous laisse prendre les micros, les garçons. Denis, comment ça va? Ben ça va super bien. Tu ça vois va un homme. Heureux en face de toi pour plein de raisons, bien sûr. Déjà parce que, sincèrement, on a une ville magnifique. On la voit évoluer de semaine en semaine et esthétiquement, c'est un bonheur de vivre dedans et d'opérer dedans dans l'hospitalité. Aussi parce que ça y est, la feria est là et puis toute l'électricité qu'il y a autour et toute cette animation, ces personnes qui arrivent, cette énergie. L'énergie, on le ressent dans toute la ville. Aussi les nuages ont été chassés. Ouais, les nuages. Mais je suis plutôt de la philosophie de Nicolas. Tu vois, ça fait quelques années que j'arrête de regarder le téléphone. On me questionne une vingtaine de fois par jour en me disant « Est-ce que tu as vu la météo ?» Mais je ne suis pas de ceux qui s'inquiètent pour cela parce qu'il n'y a pas de rien à y faire. De toute façon, il n'y a qu'à subir et à improviser. La feria, c'est beaucoup d'improvisation. Et puis aussi heureux parce que on a une arène qui rayonne, c'est la vérité. On a avec un opérateur. Avec trois corridas à guichet fermé, on va en parler avec Adrien dans quelques Adrien instants. C'est exceptionnel. Qui va mieux le commenter que moi, mais on a une équipe, et je ne dis pas ça parce qu'il est à côté de moi, parce qu'au-delà d'être un ami, c'est quelqu'un qui a des grandes capacités professionnelles, Adrien, mais tout ce qui opère dans les arènes et ce qui se profile pour cette feria-là, on a une gestion qui est là depuis 40 ans, et on a la chance d'avoir la sommité mondiale pour les diriger. C'est un Nîmois, je pense que tous les Nîmois doivent en être fiers.
Voilà la raison pour laquelle je suis heureux. Et puis je suis heureux parce que je suis acteur de l'hospitalité dans cette ville. Moi j'ai démarré dans cette ville. Et moi j'allais vous le dire, Denis, parce que en fait, en très peu de temps, votre adresse est devenue incontournable. Vous avez réussi ce pari exceptionnel quand même, puisque vous avez racheté cet établissement? C'est beaucoup d'argent, on l'imagine bien évidemment. Alors c'est important de le dire aussi pour ceux qui nous regardent, parce que c'est de l'investissement, c'est aussi de l'énergie personnelle, c'est aussi du stress, de la peur, parce que quand on investit, il y a aussi une part de risque bien évidemment qui est là. Et en fait, il y a la magie qui a opéré. Vous êtes arrivé à faire, bien évidemment par la force des choses, mais aussi par votre engagement, quelque chose de formidable. C'est d'abord la passion qui prime. Déjà, si on n'est pas passionné par la ville, par le projet, par le territoire, l'envie de partage, l'envie nous de gastronomie qui est toujours très présente dans les lieux qu'on opère avec le groupe Social Club, et aussi le patrimoine, un aspect patrimonial dans l'hôtel Schuller qui est énorme. En réalité, sur l'historique, nous, on n'a pas fait grand-chose. L'hôtel Schuller, il était connu des Nîmois depuis des décennies. Il était aussi un lieu de fête depuis les férias, depuis pas mal de temps. Et nous, l'enjeu, il a été d'y créer un hôtel de catégorie, un hôtel 4 étoiles, qui peut être normativement d'ailleurs classé en 5 étoiles, mais qu'on n'a pas voulu pour des raisons commerciales, parce que déjà, avec les Jardins Secrets, l'Impérator qui opère de façon merveilleuse aussi, on avait décidé de se mettre dans cette catégorie 4 étoiles supérieure. Et l'enjeu, par contre, il était dans la gastronomie. Parce qu'il y a quelques années de cela, si nous avions dit que nous allions faire un projet hôtelier avec un restaurant gastronomique à la rue Fresque, avec le on se serait rouge, bien moqué de nous. Et Georgiana, et vous avez été récompensé avec une première étoile. Une première étoile que Georgiana a obtenue il y a 2 ans, qui dirige la cuisine, bien évidemment. On a Lucas aussi, notre chef, Lucas Tao, qui est chef opérant à l'année et qui a aussi son équipe et qui est formidable. On a des compétences aussi en salle. Et tous les Nîmois ont su apprécier et soulever la singularité de la gastronomie dans cet établissement. Et sur cette feria, qu'est-ce que vous allez proposer? On sait très bien qu'il va y avoir des grandes soirées, qu'il va y avoir bien évidemment beaucoup de monde qui vont se presser pour venir dans votre établissement. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent aux Nîmois sur ce que vous allez proposer pendant la feria? Ce qui est formidable avec la feria, c'est que effectivement, tout le monde y trouve son compte. Et moi, quand je faisais les férias, j'avais 18 ans, je trouvais des lieux pour me aller faire la fête. Oui, parce que les moments de calme aussi, on peut en avoir besoin aussi. Exactement. Et on correspond à toutes, à la fois, non pas les classes, mais les envies, on pourrait dire. Et à l'hôtel Schuller, on correspond aussi à une envie. Et l'envie, quelle est-elle? On a, dans ce lieu, on opère une restauration qui n'est pas celle du restaurant gastronomique de l'année. On a un menu qui fait partie de la bodega et du restaurant de la bodega. Un menu qui est à 78€, qui est unique tous les jours et qu'on change le jeudi, le vendredi, le samedi, on le change tous les jours. Voilà, donc on va retrouver la partie restaurant, on va retrouver la partie bodega le soir à partir de 19h30 jusqu'à la fin de la nuit. Exactement. Voilà, Après les corridas, il y a un moment effectivement qui est prévu, on va en parler avec Adrien. On a un lieu qui se transforme parce que c'est vrai que c'est dans notre métier. Nous, on fait ça 7 jours par an. On accueille plus de centaines de personnes pour faire la fête. Donc voilà ce qui va s'y passer. Et puis tout au long de la journée aussi, la restauration le midi et un peu d'hébergement aussi parce qu'on est aussi un hôtel. Eh oui, bien évidemment. Merci Denis Allegrini. Adrien, je vous laisse prendre votre micro. Déjà, la première chose, c'est que on est dans les arènes. On y est. Ça y est, vous avez travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois pour réussir cette organisation. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà là, ce matin? Parce que ça y est, on y est. On y est, beaucoup de stress. Il y a encore du stress, évidemment. Vous pouvez l'imaginer. Dû à la météo, parce qu'on ne peut pas faire semblant non plus, hein, on la regarde tous. On va commencer par la course de cet après-midi. L'équipe des arènes a tout mis en place pour qu'elle ait lieu. La piste sera faite, donc la course aura lieu. Et puis, que dire de la feria? Vous l'avez dit, avec 3 pleins annoncés. Je tiens à rappeler quand même qu'il reste des places. Donc, c'est important de le signaler. Le retour et la despedida d'Enrique Ponce, parce que souvent elle est annoncée comme le retour, mais c'est sa tournée d'adieu. Donc exactement, ça veut dire que les aficionados qui aiment Enrique Ponce vont le voir une dernière fois dans les arènes. Et il a choisi Nîmes, fois. Donc il faut être là. Le lendemain, un cartel de figura, de luxe, mais aussi de competencia très importante, avec le numéro 1, Andrés Rocarrey, Sébastien Castella, qui a fait un retour en 2023 très important et qui attaque... Un retour réussi, et Dieu sait qu'il a été décrié. Exactement, mais quand même il y a eu beaucoup de questions sur ce retour. Tout à fait, triomphateur de Madrid, de Séville, de Mexico, voilà, c'est Sébastien, on ne le présente plus, et il sera présent. El Rafi, c'est... Le Nîmois de l'étape. C'est sans doute la corrida la plus importante de sa carrière. Je crois que c'est...
c'est pas y rajouter de pression que de dire que c'est important pour lui, pour la fission nîmoise. Bon, il se prépare. Hein. Il se prépare et je pense qu'il sera au rendez-vous. Le lendemain, la noviade, une très belle noviade qui sera très bien présentée de Patrick Logier. Ensuite vient la corrida de l'après-midi avec encore Sébastien, mais aussi Thomas Ruffo et Mio de Rusto qui sont des grands toreros, des maestros. Et enfin la corrida à cheval de région que vous avez annoncé tout à l'heure. Avec Léa. Avec Léa, la nîmoise qui remplit aussi les arènes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est intéressant, peut-être qu'on s'arrête une seconde sur lundi matin, sur cette tradition de cette corrida à cheval et de Léa Vicens, parce que je sais qu'il y a un bouquin qui vient de sortir sur elle avec une journaliste parisienne. Il y a des questions qui se posent autour de Léa Vicens, de son parcours, de ce qu'elle a envie de faire, et elle est devenue elle aussi un monument. Tout à fait. Je crois qu'en au fait, sein de la tauromachie. Les questions qui se posaient par le passé autour de Léa ne se posent plus maintenant. Programmer Léa Vicens à une ferrière comme Nîmes ou même dans d'autres arènes en France devient une évidence parce qu'elle représente la tauromachie française, elle représente la région. C'est une femme, elle le fait avec beaucoup de classe. Il faut dire qu'elle est très suivie. Exactement. Elle a beaucoup de monde qui la suit. Donc quand on programme Léa et Ventura dans la même après-midi, la même matinée, excusez-moi, c'est gage de réussite. Ah oui, ça je vous le confirme. On parle de la course de ce soir parce que bien évidemment on démarre cette feria par la course camarguaise qui a lieu ce soir avec un événement, la présence du Biudor 2023. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la course de ce soir et quelle est l'ambition que vous portez, vous l'ancien raseteur? Bien évidemment vous avez des choses à nous dire là-dessus. Mais la course de ce soir c'est un niveau d'une finale du Trophée des Arts. Aucune autre arène peut programmer un plateau comme ça. On a eu l'opportunité en plus grâce à des relations très étroites avec la famille Soma, de pouvoir récupérer Castella, le Biudor en titre. Donc ce taureau sera présent deux fois déjà dans les arènes de Nîmes, là aujourd'hui, mais aussi au mois d'août. Mais bon, un grand plateau avec des grands raseteurs. On espère faire entre 4000 et 5000 personnes, ce qui est des records d'affluence en course camarguaise. C'est moi qui gère aussi les arènes de Lunel, quand je fais 2500-3000, je suis le plus heureux. Là, ici, bon, elles sont un peu plus petites, elles sont plus petites, mais Lunel est une arène aussi importante. Bien sûr. C'est pour ça que Nîmes, maintenant, est devenue la place forte de la course camarguaise. Et aujourd'hui, il y a un gras plateau qui nous et attend. Et en même temps, effectivement, cette place nîmoise, le fait qu'elle attire beaucoup de monde, qu'on le voit à chaque fois, le programme est très alléchant, ça rejaillit aussi sur l'ensemble du territoire autour de Nîmes. Ouais, parler de Lunel il y a quelques instants parce que vous voulez gérer Lunel. On va peut-être pas faire d'annonce aujourd'hui, on va laisser passer la feria de Nîmes, mais il va se passer de belles choses aussi du côté de Lunel. Oui, on annonce. Et ça prouve aussi que c'est un effet boule de neige. Chez Denis, dimanche soir, on annonce la corrida des arènes de Lunel qui aura lieu le 21 juillet. Donc Simon sera présent ce soir-là pour l'annoncer. Ça va être un grand, grand plateau. Bon, Simon Cazas devait nous rejoindre, mais il est retenu, c'est pas grave. On aura l'occasion de l'interviewer cet après-midi ou demain. Qu'est-ce que vous pouvez dire tous les deux pour terminer cette émission au Nîmois? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire au Nîmois là, pour le lancement de cette feria? Denis d'abord. La seule chose qu'on peut souhaiter, parce qu'une fois que j'ai dit qu'on avait des arènes formidablement gérées et qui font le plein, une ville magnifique, des acteurs dans l'hospitalité qui se réunissent pour générer ces 70 millions de retombées économiques quand même sur la ville, hein. C'est énorme, hein. C'est un, ah oui, et de là d'être clairement un événement important, etc. Vraiment très gros contributeur économique à la ville. Ce que je peux souhaiter, moi, c'est l'harmonie, une harmonie sociale, une harmonie de gens, une harmonie de fêtes, une harmonie de partage. On en a besoin aussi peut-être dans cette actualité anxiogène. Nous, en tout cas, dans les équipes, on s'en sert pour ça parce qu'on le considère un peu comme une bataille, la feria, parce qu'opérationnellement, c'est quand même quelque chose qui est assez intense. Et on en profite pour souder les liens. Et je pense qu'au travers de nos contrariétés du quotidien, eh bien, on a parfois des aléas d'humeur et la feria peut nous servir justement de lien. Adrien, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Nîmois qui nous regardent et qui vont nous regarder? Denis a raison, c'est une fête, c'est une feria, donc il faut que tout le monde soit au rendez-vous. Je pense que pour notre partie, les aficionados le sauront, mais les Nîmois dans les rues, dans les restaurants, dans les bars le sauront aussi. Donc que ça soit une belle fête, qu'on ait nous beaucoup de monde, on va me passer à nous aussi dans les arènes, et je pense que ça sera réussi. Alors on accueille un invité surprise qui n'était pas prévu mais qui est passé par là et on est ravis de l'accueillir. On va vous laisser prendre un micro, vous êtes venu bien évidemment avec cette affiche qui est extraordinaire. Ça engage que vous. Ah bah écoutez, beaucoup de monde en a parlé de cette affiche et on va rappeler bien évidemment Swan Soto. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, le projet qui était le vôtre et l'engagement? Parce que la feria,
les corridas, ça passe pas le sans projet, l'affiche. Le projet, c'était de participer à l'aventure de l'affiche de la Feria, qui est un moment historique pour la Feria de Nîmes. L'affiche, ça a toujours été mis en avant avec des grands artistes qui ont fait l'affiche. Et voilà, en essayant de me hisser. Ça vous a mis la pression ? Ah ouais, beaucoup de pression, oui, vraiment. Beaucoup de pression, beaucoup de responsabilité et beaucoup de joie aussi parce que voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie. Exactement. Moi, pour moi, c'était un rêve et voilà. C'est très marquant pour un artiste de réaliser. Surtout pour un artiste nîmois. L'affiche de la Feria. Mais évidemment, pour un artiste nîmois, la question ne se pose pas. Mais même pour un artiste de notre territoire, c'est un événement marquant de faire l'affiche de la Feria. C'est très important. Parce que ça rentre finalement dans l'histoire. Ça rentre dans l'histoire, c'est de toute façon la Feria de Nîmes, c'est un événement international. Et voilà, de représenter avec une image comme ça cet événement qui est connu dans le monde entier. Tu vas en Amérique du Sud, on te parle de la France, mais on te parle de Nîmes, de la Feria de Nîmes. Bon, je peux la garder cette affiche, elle est pour moi. Si vous l'avez amenée pour moi. Comme ça, je la mets dans mon bureau, mais il faut me la dédicacer. Il a raison, c'est Denis. C'est parti. Il faut la mettre au coffre, ça. Ah oui, il faut la mettre au coffre. En effet. Merci d'être passé le plateau. Bravo. Qu'est-ce que vous allez faire pendant la Feria ? Aller aux arènes et manger avec des amis et faire la fête. Voilà. Dans les bodegas. Et c'est le programme en réalité. C'est le même programme pour tout le monde. C'est sûr. Merci beaucoup, Swande. Vous allez aller, bien évidemment. C'est incontournable. Voilà. Mais je le disais tout à l'heure, je ne me suis pas trompé en disant que c'était devenu le lieu incontournable en très peu de temps. Oui, et puis quand les Nîmois, ce sont des gens très réboussiers et quand c'est pas bien, ils y vont pas. S'ils y sont, c'est que ça, c'est bon. Exactement. Denis, tout va on bien. On aura de l'amour et du partage. On ne peut pas avoir un meilleur compliment que celui-là. Pour le miroir de le plateau, tout le monde est magnifique, tout le monde est heureux du jour et de cet événement de fête qui est un événement exceptionnel pour nous. Donc. Allez, merci beaucoup. Merci Swan d'être passé par le plateau. Merci Denis. Merci Adrien. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission très spéciale ici en direct des arènes de Nîmes à l'occasion du coup d'envoi de la Feria de Pentecôte 2024. On va remercier Romain Cura pour la préparation du plateau, la réalisation de l'émission de ce matin. On va se donner rendez-vous demain à 21h parce qu'on n'a pas fini de parler de la Feria sur Objectif Gare. Demain à 21h, on va changer d'ambiance. Hein. On va se mettre by night. On va se retrouve à 21h en direct de la Maison Albar à l'Impérator de Nîmes. On sera au premier étage sur la terrasse comme l'année dernière pour vous proposer une émission festive autour de la Feria. De nombreux invités bien évidemment seront au rendez-vous demain soir et puis à mes côtés Coralie Monaré, notre journaliste qui m'accompagnera pour cette émission très spéciale. On va rappeler, parce que Corentin il n'est pas loin en coulisses, on va rappeler bien évidemment que les journalistes d'Objectif Gare sont mobilisés tout au long de la Feria de Nîmes pour vous faire vivre en fait aux quatre coins des artères de la ville tous les événements qu'il s'y passe dans les arènes avec Anthony Morin. Mais vous allez également avoir nos journalistes en vidéo, des articles sur Objectif Gare comme habituellement et comme la semaine dernière finalement sur la Feria d'Alès. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À demain 21h en direct de l'Impérator.